Salut messieurs, la suite de la vidéo. Cette fois-ci, bien nous sommes arrivés donc à l'FMZ. Vraiment le truc pourri quoi. Franchement, pour me faire atterrir dans des endroits comme ça, c'est pas la peine. Voilà ce qu'il me dit. Donc alors, ça prend fin. Comment dire, à partir du moment où vous freinez. C'est-à-dire là, je suis arrivé sur la piste. C'est tellement un vieux machin pourrave comme aéroport. Franchement, qu'est-ce qu'il a été me chier là? C'est pas grave. Toujours est-il, voilà, time 1h16, donc le vol était prévu pour 1h17, j'ai fait 1h16. Fuel burn, d'accord, ok. Distance 159,4 nautiques, aircraft Cessna 177 cardinal, d'accord. Mission success 100 points d'expérience, take-off. Déviation 3,4, d'accord, bon, bah, ok. In-flight time 76 points d'expérience. Autopilot time, donc j'ai pas utilisé l'autopilot. Voilà, donc excusez-moi parce qu'il va falloir que je remette. Voilà, Centerline deviation 2,59 m, 7 points d'expérience. Landing speed 1,48 mètres par seconde égale 9 points d'expérience. Voilà, alors là je lis, excusez-moi du truc. Voilà, comment ça marche? Comment ça marche? Donc, ok, tout ça, est-ce que ça se sauvegarde automatiquement? Je pense que oui. Voilà, ok. Alors, générateur de mission génère des missions plausibles adaptées à votre avion, à votre météo, à votre aéroport actuel. Pour ce faire, il lit les data rep, d'accord, etc. Donc, il précise au départ, j'avais oublié de vous le dire dans la vidéo précédente, le générateur de mission est écrit en Lua, pas Lua, avec SASL, et son code est conçu pour être compris et modifié. Voilà. Voilà messieurs, un petit peu ce que ça fait. Je voulais vous montrer ça, voilà, niveau 1, vers je suis en train de progresser, donc vers le fameux niveau 2. Je vais voir pour choisir un autre aéroport. Et puis s'il tient en compte, donc vous voyez, j'ai eu 199 points d'expérience. J'essaye juste de voir quelque chose sur le côté. Voilà, sans que c'est pas très intéressant ce que vous voyez. Mais néanmoins, c'est une déduction, voir si ça marche. Eh bien, écoutez, tout marche. Voilà. Un truc que je voulais savoir, je vais vous dire ça. La consommation de carburant, cherchez ce que ça voulait dire, fuel burn. Consommation de carburant, voilà, d'accord. Vous voyez, donc vous avez une petite synthèse. Alors, si je fais mon truc là, c'est quoi la fin? Si ça, je ferme, voilà, si je fais ça, non, alors si je vais passer par mission générateur, pilote profil. Voilà, ah oui, d'accord, je suis en train de monter en niveau, donc il l'a bien pris en compte. Short fax, d'accord, ok. Donc vous voyez, il y a plein de choses à voir. Voilà, donc je peux faire une autre mission maintenant. Vous voyez, je peux repartir donc de l'aéroport pour aller à Valence. Il va falloir 116, 111 nautiques. Et les beurs, je sais pas où c'est, mais il va vous emmener dans des de ces trucs. Là, je peux faire leur fragile, je sais pas ce que c'est. Vous cliquez sur la mission, d'accord, vous pouvez donc. D'accord, 5 kilos de bière. 2, Lézignan Corbière. Tout Moa, les machins trucs bidules. Ok, fragile cargo, landing smoothly. Smoothly, donc il va falloir atterrir doucement, sinon les gars, vous ne cassez la tronche et vous avez des points d'expérience en moins. Voilà. Donc vous avez vu. Vous enchaînez les missions, tout ça, etc. Bon, là, après, vous arrêtez votre avion, normalement. Par contre, ce que je déplore un peu, c'est des espèces. Alors là, vous allez découvrir des espèces d'aéroports. Regardez, regardez comment c'est nul. Comment voulez-vous que je foute, moi, Lézignan Corbière, là, ici, l'état actuel des choses. Voilà, je suis arrêté comme un Kekos, donc sur la piste. Voilà. Mais enfin, bon, c'est cool, j'aime beaucoup. Ça apporte de la motivation. Voilà, messieurs. Pour l'instant, je vais voir, je vais continuer mes petits vols et puis je vais voir si ça progresse donc dans le temps. Voilà. Heureux d'avoir été à votre compagnie. Ça va compléter la vidéo précédente pour vous apporter une petite conclusion. Pour l'instant, ça marche. Je vous laisse. Ciao, ciao les gars. À plus tard.